un pas en 1 heure. Ça marche, ma belle, pas de souci. Je serais de quitter une boîte contre une chambre. Mais ouais, non, franchement. Non, franchement, il était pas. Enfin, il était stressé, en fait. Il était très stressé, en fait. Mais il nous connaissait pas, en fait, quoi. Elson, tu n'as pas essayé de le sortir. Ben, regarde, c'est ouvert. Mais moi, je le forcerai pas. Je le laisse. Hein, Jérém, c'est ça, je le laisse, hein. Oui, je les ai encore, mais ils font la sieste. Ils pourront regarder tes lives et verront Charlie, bien sûr. Lingo, il me saoule avec Gribouille. J'aime trop, purée, j'aime oublier ça. Lingo qui dit Gribouille, mais qu'est-ce que c'est trop mignon. Mais je l'aime trop, mon Lingo, je l'aime trop. Ah ouais, lui, c'est mon best, lui. Je l'aime trop. Vraiment, il est trop chou. Bah, Gribouille, il disait Lingo, mais il le dit plus. Il l'a dit deux, trois fois, puis après. C'est, on va dire, une deuxième main, Charlie. Il s'appelle Charlie. C'est juste pour savoir si donc on sortira quand il voudra. Il a répondu, Jérém. Non, elle le laisse aller à son rythme. Ouais, bah voilà, tu vois. Ouais, moi aussi, je préfère. Ouais, je préfère. Je me dis non. Ouais, je veux pas trop le forcer et puis que. Je sais pas, qu'il perde la confiance en moi, en fait. Parce que là, je trouve qu'on avance bien. Ouais, le pauvre. Ouais. Il était tout caché sous le lit, petit bonhomme. Et n'empêche, on a lutté à le faire sortir, hein, pour y aller en douceur. Hein. Oh, il a reperdu une plume de sang, plus Jérém, ce jour-là. Et comme ça, avec sa propre. Était comme ça. Oui, très très calme. Même sa propriétaire me disait, en fait, même quand il sortait, il allait toujours se cacher, etc. En fait. Des présents, ça m'est trop, mais je te jure. Ah, mais carrément. Hein, Gribouille? Il est où, Lingo, Gribouille? Gribouille? Lui, il s'en fout, il fait ses plumes, on regarde. Ah, celui-là. Elle a répondu, non, je comprends. Bah ouais, Mathias. Après d'avoir un gris, t'es sûr que c'est pas possible avec mes enfants et mon mari? Si, tu peux, hein, Meguin. Hein. Tu peux, bien sûr que tu peux. Mais c'est exclusif. C'est exclusif. Et je t'ai dit, il aime pas les enfants. Il est comme Gribouille. Il est en mode doudou, là. Oui, tu es tellement rempli d'amour. Oh, merci, ma chérie, t'es trop chou. T'es un amour. Il a besoin d'amour et de patience. Ouais. Gribouille qui calcule. Il s'en fout, lui. Lui, il s'en fout. Lui, il fait sa vie là-haut. Fait sa vie de poulet. Foutez-moi la paix. Charlie? Charlie? Oh. J'adore son bruit. Attendez. Charlie? Oh, t'es beau. Il a dit t'es beau. Je sais pas si vous avez entendu. Je parle dessus, du coup. Charlie? Charlie? Oh. Sa petite voix. Mon petit cœur, tu comptes avoir des enfants humains chaud? Non, pas du tout. Après, bon, Dieu, ça le sait, mais non. Mais il peut choisir ton enfant ou ton voisin et risque de devenir une déco. Non, mais c'est vrai, hein. On est d'accord, Jérém. Ouais, tu vois, tu peux voir mes enfants, ça risque d'être compliqué. Moi, en plus, j'ai ma famille qui vient ce soir. Oh, purée, Gribouille, là, vous voyez lui, là, il va courser mes nièces dans toute la baraque ce soir. Il a une voix de vieux, lol. Sérieux, tu trouves? Moi aussi, j'adore quand il dit oh. Charlie? 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 Oh. Tu parles de différencier avec Gribouille. Oh oui. Ah oui, bah ouais. Je sais pas comment expliquer ça, mais ouais. Ah ouais, Gribouille, c'est Gribouille et ça. Ah ouais, complètement. En plus, ils n'ont pas la même couleur. Ils ont aussi chacun leurs mots, chacun leur façon de parler. Non, et puis même. Non, je pourrais pas me tromper. Gribouille, tu le mets avec 300 000 gris du Gabon, je te jure, je le retrouve. Y a trop de commentaires. Il est plus clair que Gribouille. Oui, trop mignon le petit O. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu sur TikTok. Tu as un nouveau gris. Oui, c'est Charlie, coucou. Pourtant, je suis là tous les matins. Moi non plus, j'ai un chat de connu, en tout cas, petite casse. Oh la vache! Oh, t'as des hérissons! Oh, j'aimerais trop avoir des hérissons. C'est trop mignon. Que je prends mon temps, que je veux vraiment trouver l'espèce qui me convient le mieux. T'as raison, vraiment, il n'y a rien de mieux. Charlie s'entend bien avec votre mari. Alors au début, il ne pouvait pas voir mon mari. Et là, maintenant, ça va. Il lui a fait un bisou ce matin et tout. Ruby dit, oh, il est beau. Oh, bisous ma Ruby! Charlie avec ou c'est son. Non, c'est avec ses propriétaires. Donc, on lui a laissé son prénom par respect de ses propriétaires, déjà. Et aussi par respect de Charlie, parce que bah, Charlie connaît son nom, il s'appelle tout ça. Donc, pour nous, c'était important qu'il garde son prénom. Très mignon, merci.
Ah oui, j'ai oublié de spécifier, je suis au Québec ici, c'est légal. L'enfant, donc, c'est qui c'est? Donc, elle sait qui c'est. Ouais, c'est ça en fait, hein. J'ai un élevage au top. Théo, et oh. C'est trop chou. Combien de temps? Combien de gros que tu as, Charlie?